écoutez, madame, docteur Louis-Gérald Gilles, que l'on enlevé devant clinique jeudi dernier, aux environs de 3 heures, pendant que le la population en service. Donc, je fais qu'apprendre que côté docteur a séquestré un affrontement. Donc, s'il y a un affrontement, il y a forte chance que la victime de l'affrontement, ça. Nous ne pas solliciter les ravisseurs, nous supplier, sous cri d'alarme de toute famille. Docteur, pas de cob. C'est presque bénévolement la baille service à la population. Moi, le docteur, il dit malade, capitaine, qui va se demander si vous pouvez cob déjà. Ça qui intéresse, c'est bail service à la population. Hein. Pour qu'il travaille dans Delma 103, pour qu'il travaille dans Eliazar, Germain, pour qu'il travaille qui boivent. Et là, il n'y a pas de moyens logistiques nécessaires pour les bail population en service. Il référé dans notre centre, hospitalier, il sollicite et tout le monde. Donc, docteur, c'est nous qui aimons un service. Docteur a pas de corps, s'il vous plaît, libérez docteur a pour pas victime de affrontement. Libérez docteur a pour pas continuer à servir la population. Question de Mme Gérard Gilles. Donc, est-ce que depuis acte enlèvement ça, est-ce que les ravisseurs ont été établi contact avant pour faire des exigences en rançon? Oui, il fait contact avec nous, donc, et subitement, nous toujours qu'il y ait contact avec nous, donc, on parlait côté et sénateur ta, ancien sénateur a trouvé là, t'as assemblé, guerre qu'a fait, donc, au peur pour la vie, docteur. Justement, donc, est-ce que depuis, Allô, donc effectivement perdu et contact avec madame docteur Gérald Gilles qui t'a supplié la vie sur eux pour permettre que docteur rejoigne la famille. Donc j'en ai déclaré ça. T'as semblé d'autre côté docteur a trouvé la maman dans ça, son côté. Côté mon hasard m'a tapé tout qui écoute mal là, donc elle se sent inquiète pour la vie docteur, donc elle estimait lui demander ravisseur lui implorer et pitié ravisseur pour permettre docteur rejoindre famille. Donc elle m'a rappelé docteur Gérard Gilles qui était ancien sénateur et république là, il était victime acte d'enlèvement ça, dans Delma à Saint-Ouen, le moment de ta pas sorti, dans clinique, donc, docteur Gérard Gilles, qui présentait comme un monde qui toujours est prêt pour les ramener au chevet des malades, sans qu'il n'y ait pas exigé aucun moyen, donc, il était perdu contact avec madame Gérard Gilles.